si mwen pran wòch sa nou ki nan menm la mwen ta bay on moun ni et puis mwen ta di ki sa ka fak sa moun nan pa repon mwen en fonksyon de sa l konnen ou bien menm de sa l panse par ekzanp si ke wòch sa mwen pote l bay on nèg ki nan mason mwen di ki sa ka fa wòch sa li di ou konn sa l pa di l da ou li pa l gade li pa di oh lèm pa l koule beton se tip de wòch sa m ap pran pou mete ou bien lèk m pa fon fondasyon an kay se li ka pi bon pou mwen. Si que moi même moi ça encore moi al devant scientifique avec si tu fais pas dire que oh regardez est-ce que ça me pas faire l'autre bagarre avec est-ce que me pas arriver produit laser avec parce que nous tout connait là que diamant son pierre néon roche et qui bail laser si moi moi ça me porter ben religieux il va dire non ben c'est visible parce que le connaît à ouais ça au catalan statut logiquement c'est qui ça mon n'a pas répondre moi en fonction de mon nier et en fonction de ça qu'on est. Mais c'est même moi chaque toujours là. Et bien c'est ça qu'on comprend avec jeux vidéo. Au cas de façon pour comprendre jeux vidéo, au cas tomber d'apprendre, mais j'en comprends pas, on s'est tout cas trompé. Le jeu vidéo toujours été salué, qui c'est un moyen qui permet tout évoluer plus rapidement. Une bonne bagarre pour aujourd'hui. Bienvenue dans une nouvelle sortie Teaser Game pour semaine ça. Et moi content en pile de réactions sur page YouTube moi et également sur Facebook. Donc merci beaucoup à tout le monde qui regarde l'émission, qui écrit moi, qui veut des messages d'encouragement, de contentement même et puis avec monde qui a posé question tout. Moi très content de ça et que l'équipe là a fait toute folie pour nous produire des émissions que pour toujours rien. Bon, jodi an, gen de tati bay ki ase enteresan pou nou, nou konen kom d'abitude, sa mwen chaje te kou lèk ba, alò nou pa tro mize. Jodi an, mwen pral prezante nou nou tout premier jeu, ki jwet liye. Gen moun kap gade emisyon la kon jwe game ki di ket, goun, on se de game ke, on se atize gen pa jen pale de yo. Game sa yo la, se pa pale m pa pale de yo, men ma pren tem pou mou bide sou. Jodi an kon premier game, mwen pral evite nou gade Zelda Breath of the Wild. C'est le premier Zelda que Nintendo produit pour console Nintendo Switch là. Qu'est-ce que ça me dit de game ça juste avant que nous regardions les views? Nous croyons tout le monde qui l'a regardé l'émission, nous entendons des musiques Tupac, musique Bob Marley, musique Timano. Mais monsieur ça a 20-30 ans depuis qu'il mourit. Moi toujours entendu des musiques comme ça. Eh bien c'est parce que monsieur ça a été maîtrisé ça qui est l'art. Léon Bagay, Léon œuvre bien faite. Mais que œuvre li atteint tout potentiel pou gagne œuvre ça pas gagne temps pour lui 100 ans mettre passé c'est comme si il était fait sorti donc avec Zelda c'est ça qui toujours passé chaque épisode Zelda que Nintendo met dehors c'est un phénomène mondial donc m'invite nous regarder un chef-d'œuvre d'art qui c'est Legend of Zelda Breath of the Wild. Feeling liberté qui envahit ou le wap jouer game ça, c'est une véritable réussite. Depuis l'on commence à jouer, tout espace qui n'a game nan vient paraître devant totalement. Environnement attiré ou pour venir chercher, fouiller, piller, résoudre énigmes, etc. Le fait que ou ka jouer de façon que ou voulez, sans que ou pas obligé de suivre quête principale là, c'est un bon bagay. Même façon que toute mécanique game ça a formé a vint ba ou yon jeu de survie complexe et vraiment impressionnant. Après plus que 50 heures de temps passé dans jouet ça, le style rete bagay pour me chercher toujours et me pas jamais qu'on découvre. C'est un décor sauvage, post-apocalyptique, dans le style techno-fantasy que Nintendo ba nou. Zone non seulement vaste et somptueuse, mais tout Nintendo mette en pile réalité qui permet de jouer yon l'autre façon. Pied bois pour te fuir. Ou ka mette dife nan chan yo. Et même moun ak bet ke wap kwaze yo gen yon comportement normal et crédible. Des fois ou ka bliye si c'est dans un game que ou ye.
En plus de ça, chaque objet que vous jouez est constitué de matériaux différents et vous réagit de diverses façons face à du feu et également à éléments magnétiques. Même avec Ocarina of Time, vous avez plusieurs gardes pour mettre suivant zone que vous allez. Ça, c'est à prévoir. C'est incroyable liberté de mouvement et puis la structure qui est totalement non linéaire de game ça qui place sous tête tout le monde. Ou qu'à aller n'importe qui côté qui paraît dans game là, même si loin. Par exemple, vous avez droit à un zile dans le commencement du game que vous pas de cas à l'atteindre. Mais après que vous finissez d'améliorer la capacité et mettez le niveau sous vous, pendant que vous avancez, lorsque vous avez joué de côté ça, franchement, c'est un véritable sentiment de liberté qui a entré en dedans. Une des outils que je remets en pile dans le game, c'est paravoile. Les polyvalents permettent de traverser le lac, de bien marcher les courants favorables et le faire prendre moins de temps. Là où on a ciel là, c'est moment pour plus bien juger l'environnement. Chaque zone a un climat et un écosystème qui propre à eux. Et puis tout ça fait apprendre à adapter en conséquence avec équipement approprié pour capable affronter danger qui gagne. Depuis ou bien améliorer performance, vous avez accès à un pile environnement varié. Mais toujours connaît que quel que soit niveau que vous y a, la nature gagne dernier mot à sou. Les lapis tombés, ça fait mouvement ralenti. Et puis, coup de zèkle qui a frappé ou sous gen objet métallique sou. Vous entendez? Les assouets ou même gen mons qui a pente en sou. Et puis, tout c'est dans le moment ça ou gen quelques bagay qui va le paraître pour kajouen yo. Gen yon série de zones le op traversé yo, c'est musique que vous entendez ya qui fait ça pi fri. Sonorité ça a vint pi belle dans oreilles toujours. L'autre bagay qui est vraiment plaisant dans le game, c'est la question de recette que vous avez composé pour faire manger ou bien pour faire potion. Vous jouez un pile élément pour ça. Du moment que le mélange est parfait, plat que vous faites va venir ou plus endurance avec plus force pour capable éliminer l'adversaire plus rapide. Pour être capable de mieux fabriquer potion vous-même, toujours à fouiller cadavre, monsieur et insecte pour être capable de jouer un indice parce que toujours gagne. Pour faire système de combat, ça n'est pas trop différent de l'autre Zelda. Ou utiliser un pile ZAM. Mais la nouveauté qui gagne kounia c'est que ZAM qui nan mon lan ka vin trop usé et côté que pa jam ka utiliser encore. Mais ça, obligé jeter tes ZAM ça et ou al prend l'autre pour ta capable défendre tête. Flèche là toujours là et c'est l'autre pral remel parce que li vraiment en forme. Flèche là just bon, li pratique et li très rapide. N'ap kite ou al découvrir comment ou ka jouer avec flèche ça pi tout pa besoin en sou. Pour ça faire master. Master est toujours belle et imposant. Nous connons ça, c'est Zelda. Mais dans le game, vous commencez à causer ça très bonheur. Des fois, vous ne doit pas arrêter dans le combat avec un master. Mais par contre, master qui est dans le donjon, vous obligé de gourmer avec vous coûte que coûte. Et plus capacité au game niveau, c'est plus qu'on bataille plus bien et c'est plus qu'on tue plus rapide. Il y a un élément qui relève ardoise Sheikah. C'est lui-même qui est objet principal game. C'est à cause de l'objet ça que Link fait voyage là pour lui rassembler toutes pièces manquantes de puzzle ça pour lui capable de souvenir que lui gagnait de princesse Zelda. Ça a 100 ans depuis une catastrophe qui est passée dans Hyrule et ça t'a fait un pile de dégâts. C'est après un pile temps de jeu que vous pourrez connaître ça qui t'est passé. Même si vous avez traversé le donjon de façon ou, ça ne peut pas empêcher que vous connaissez toute l'histoire et comprendre tout ça qui t'est fait. Yo. Enfin, qui s'en a dit? The Legend of Zelda Breath of the Wild, c'est une véritable leçon en termes de monde ouvert et il constitue un véritable tournant pour saga qui vraiment réinventé tête après 30 ans d'existence. Monde ouvert que lui proposait, rempli avec mystère et avec possibilité qu'il a pour explorer. Malgré moi passer plus que 100 heures de temps dans jouer ça, c'est Atom qui bagaille pour vrai. C'est Atom qui bagaille qui cachait que pour découvrir toujours. C'est une véritable réussite, c'est un chef-d'œuvre. À jouer. Moi j'espère que nous t'aimer Zelda Breath of the Wild là. Donc son game qui vraiment très belle et n'était pas son pas optimisé pour définir et que ça me dit tout le monde bon même j'avais pas qui bonne qui aussi âge même j'avais Zelda 98 là. Ocarina of Time, je connais les gamers qui ont gardé là, son chef-d'œuvre lié pour eux, et je connais qui ont souvenir que lui gagne dans l'esprit. Bon, passons. Maintenant, on va l'atterrir avec nous avec un deuxième game. Est-ce que nous rappelons que nous avons montré nous une édition précédente, Metal Gear Solid?
Moi t'ai fait une belle rallye pendant presque 12 minutes sur Metal Gear, t'as dit non, voilà ce que c'est, mais ça que même Metal Gear, même t'es plus chita sous question historique comme si ça qu'on donne histoire game ça. Mais je dis hein, moi pour ton autre montage qui a rapport avec Metal Gear, tu vois, c'est la partie 2. Mais là, moi pour aller prendre en compte tout personnage qui passe dans plusieurs jeux, moi pour aller prendre en compte tout environnement, pour aller casse entrer en profondeur avec nous pour que ça capable complet. Donc Metal Gear Solid partie 2. Metal Gear Solid 5 couvre la période Big Boss et la Melia dans les années 80. C'est ça qui va mener nous en 1991, côté Big Boss pour contrôler Foxhound pour les surveiller les États-Unis de l'intérieur et puis tout Major Zero, qui est un véritable ennemi pour lui et que nation Big Boss qui c'est Outer Heaven a bien une bonne âme pour lui atteindre l'objectif de tout. Major Zero, bon côté pas le même, gagne une grosse organisation secrète et très puissante que relaient les Patriotes. Tout ça pour mener nous en 1995 dans l'événement premier game nan, qui c'est Metal Gear qui était sorti en 1987. Les USA apprennent que Outer Heaven construit un Metal Gear qui c'est un robot géant armé avec armes nucléaires. Big Boss commandé pour attaquer propre base li. Pas inquiété ou, il faut comprendre. Grey Fox échoue dans la mission alors il voit un novice qui c'est Solid Snake qui c'est clone Big Boss, mais Solid Snake pas comprendre ça. Snake sauve Grey Fox, crase Metal Gear là. Big Boss tend piège pour Solid Snake et lui même mandé lui abandonner mission mais nada. Donc Big Boss t'a gagné comme plan pour voyer un novice devant pour lui t'a fait le passé pour t'a qu'a fini construction Metal Gear là. Sauf que Solid Snake bat Big Boss bien bat, il éclate Metal Gear là et lui tout blow out of heaven en tout. Donc bagaille pas passé Jean Big Boss t'a souhaité. Mais par chance Big Boss pas mourir. Ni jeter ak soldat yo au Moyen-Orient. Solid Snake même sorti victorieux et Roy Campbell vient monter à la tête de Foxhound. Roy était monté Foxhound avec Big Boss. Songez ça bien. Tout ça vient mener nous en 1999 pour Metal Gear 2 Solid Snake. Le monde a marché tranquille, tout bagaille stable. Mais une crise pétrolière vient éclater. Tout bagaille viré tête en bas. Heureusement, monsieur Q Maltz inventé une formule qui vient capable bay pétrole encore à partir de un limon. Si vous regardez première vidéo Metal Gear moyen, vous comprenez. Mais yon équipe yon relé Zanzibar Land capturé monsieur. Yon situé en Asie centrale et yon campé en quoi contre toute forme de nouvel ordre mondial. Et ça qui pi belle, c'est Big Boss qui a dirigé l'équipe ça. Il y a un pile d'âme et des Metal Gear pour défendre les tours. Alors, les USA revoient Foxhound encore. Solid Snake. Allez vraiment, mais il y échoué. Grey Fox bloqué Solid Snake et scientifiquement mourir. Solid Snake rive quand même battre Grey Fox, craser Metal Gear là encore et récupérer formule là. Après ça, il allait affronter Big Boss directement. Mais avant Big Boss mourir, il avoue à Solid Snake que c'est papa. Problème. Solid Snake mettait collé sous côté pour lui réfléchir. Pendant temps ça, les Patriotes et Major Zero rive récupérer comme Big Boss et rive faire rester vivant à l'aide de technologie des nanomachines. Ça pourrait permettre que vous créez un paquet de soldats grâce à ADN Big Boss. Mais Revolver Ocelot pas d'accord à cause de ça et il décide de comploter contre Major Zero au sein de Patriot. C'est ça qui pourrait mener nous dans l'année 2000, côté que l'événement Shadow Moses pourrait éclater. Roy Campbell, qui était Foxhound et Liquid Snake vient prendre place. Liquid Snake, c'est un autre clown de Big Boss, donc c'est frère Solid Snake également. En 2001, Major Zero n'a pas confiance dans personne et il décide de créer 5 intelligences artificielles qui pourraient diriger Patriot. Deux ans après, Dr. Naomi crée un virus qui est Fox Die qui est capable de frapper un monde directement. Ça pourrait mener nous en 2005 pour le premier Metal Gear. Là. Liquid Snake attaque Zile côté que Shadow Moses placé avec aide unité Fox Sound que l'a contrôlé. Et puis, qui est chargé avec soldats génétiquement modifiés avec ADN Big Boss. Là. Soldats s'arrêtent les têtes les enfants de Big Boss. Ils campent contre les USA et menacent d'utiliser une arme nucléaire si ils n'ont pas décidé de faire le cadavre Big Boss. Là. Parce que ils ont besoin pour être capables de soigner les têtes et que les modifications commencent trop pour eux.
Roy Campbell vient réparer encore et lui mande Solid Snake un coup de main pour lui ta stopper Liquid Snake avec aide d'un ami qui relait Kaz Miller. Songez non ça bien. Solid Snake rivé cancel plan Liquid Snake yo, mais li pas rivé sauver personne. Tout le monde qui en rapport à cause Metal Gear là mouri depuis au croisé avec Solid Snake. Snake vient comprendre que yo t'ai manipulé lui depuis le début. En fait, c'est qui ça? Secrétaire à la défense des États-Unis te voulait récupérer Metal Gear yo à tout prix pour l'armée. Donc, yo t'ai simplement contaminé Solid Snake pour lui t'cablo moun yo sans que li pas même connaît l'elle croisé avec yo. Ça qui pirase là, Liquid Snake tape trip sous Solid Snake pendant que li t'ai prend place Kaz Miller. Et il tuait Kaz Miller depuis une semaine avant mission. Et c'est là ça tout que Solid Snake a connait que Liquid Snake c'est frère. Snake même pensait que l'a mené mission et pourtant c'est mené à mener pour te 40 bagailles bien passé. Heureusement, l'a gété échappé en bas mais Ocelot grâce à Gray Fox qui vient tourner un ninja cybernétique. Malgré ça, Liquid Snake décide de servir avec Metal Gear quand même. Et puis pour aider Snake, Gray Fox sacrifie tête li et puis Snake rive craser Metal Gear là et en même temps, li arrive wè Freddy Cap mourir devant lui à cause de virus Fox Dai là. Dans même moment tout li apprend que le gars pour mourir tout, sauf que li pa konn ki le. Dans même période là tout, n'a vinn konnen que Revolver Ocelot c'est un agent double. Li était là pour prendre élément Metal Gear là pour li porter bay président USA qui c'est Solidus Snake, un autre clown Big Boss encore. Solidus Snake rivé président grâce à intelligence artificielle cap dirigé Patriot yo depuis 2001. C'est ça tout qui permet de causer Shadow Moses la te fait. Solidus Snake te mette ensemble avec Revolver Ocelot pour craser Patriot yo. Mais tout bagay craser les que Patriot yo vin mette virus là dans Solidus Snake. Pas gen l'armée, Fox Dai disparaît, Metal Gear craser. Donc tout bagay vin prend la rue. Solidus Snake obligé de démissionner et il a gécha avec Revolver Ocelot pour y créer une autre armée que relé les fils de la liberté ou bien Sons of Liberty. Ça va mener nous donc en 2007 pour les événements de Metal Gear Solid 2 Sons of Liberty. Pendant une mission, Solid Snake a tombé sur Ocelot qui semblait possédé par Liquid Snake. Mais qu'est-ce qui s'est passé en fait? Eh bien, Ocelot rive greffe bras Liquid Snake sous lui. Donc, nanomachine qui dans Liquid Snake yo rive entrer en dedans cerveau Ocelot. Donc, li vin tourner Liquid Ocelot qui pa gen l'autre idée que touye frèl yo utiliser Metal Gear là détruire intelligence artificielle qui contrôle Patriot yo. Mission mal fini. Snake disparaît, Ocelot sauvé avec Metal Gear là. En 2009, ou vin joine Raiden qui c'est un soldat que Solidus Snake té entraîné l'el té timon. Mais Raiden blié causé ça. Raiden gen pour mission pour li stopper équipe Son of Liberty yo. L'el rive li vin joine Solid Snake qui toujours là et que tout li vin apprendre que base côté que yo yé a c'est un immense Metal Gear qui relé Arsenal Metal Gear et que c'est une intelligence artificielle Patriot yo cap contrôler. Là encore mission a échoué et puis Arsenal là même tout marché sous Manhattan. Raiden affronté Solid Snake. Mais un moment Raiden a vu comprendre que intelligence artificielle yo a servi avec pour ta vin contrôler humain ak nano machine yo. Solidus libère Raiden de contrôle ça et puis il dit la vérité. Raiden rive bat Solidus Snake et li krasé Arsenal Metal Gear la ki té kembe youn nan 5 intelligence artificielle yo. Ocelot même tout profiter de l'occasion, li couri voir les Metal Gear la côté que li rive échapper pour li avèl et puis Solidus Snake disparaît une autre fois encore. Tout bagay sa pral vin mene nou exactement nan Metal Gear Solid 4 qui c'est ultime épisode de histoire ça. Nous en 2014, suite à tout scandale qui t'est passé dans monde là, les USA vin décidé réduire intervention internationale yo pour yo quitter place à plusieurs autres organisations militaires dont 5 là d'ailleurs qui pi important yo et qui contrôlé par Liquid Ocelot. Et Liquid Ocelot même a profité de ça pour t'arriver prendre contrôle monde là. Roy Campbell présente il vient faire appel à Solid Snake pour une dernière mission. Solid Snake, même victime d'un vieillissement accéléré sans compter que virus Fox Dai là dans col tout. Et ça qui plus belle encore, virus là subit mutation, ça qui vient rendre que il pas qu'à faire différence à pièce monde. Donc Solid Snake vient tourner dans un ambulant. Et comme y a un problème pas jamais arrivé seul, Liquid Ocelot rive jeune cadavre Big Boss et il maîtrise technologie nano machine qui vient permettre lui prendre contrôle tout soldat qui dans monde là. Mais de justesse,
Snake Arden rive empêche lancement missile nucléaire qui t'a crasé Amérique là et en même temps il rive upload yon virus dans serveur central là qui rive détruit toute intelligence artificielle qui dans monde là sans exception. Événement ça vient bay tout soldat à tout cyborg liberté yo et que yo vinn pas sous contrôle patriote yo encore. Solid Snake rive touye liquide Oslock dans combat épique et ultime. Et puis il tout disparaît encore. En après, nous vinn rejoindre Solid Snake sous tombeau Big Boss pour lui tout suicide tête li pou ta ka éviter que virus Fox Die ki nan lien fait plus victime. Mais le ça li stoppé par Big Boss et Major Zero. Tale. Big Boss et Major Zero. Tale. Pour me faire nous comprendre bien. Big Boss pas de chan mouri, li te guéri. Cadavre liquide Oslock te utilisé à c'est cadavre Solidus Snake. Big Boss dit Snake que Oslock tap bay mai et que l'esprit pas sous influence dans nanomachine vraiment. Il t'a fait ça pour lui tromper vigilance intelligence artificielle patriote yo. Mais il t'a prend en pile drogue qui t'a fait le vin varier et puis nano machine yo tout t'a vin rendre Oslock très schizophrène et que il t'a perdu objectif li de vue. Big Boss Disney que il t'a quitté patriote yo depuis bien des années et que il essayait par tous les moyens pour te détruire parce que yo pas respecté volonté de boss. De boss t'a bail organisation ça de bonnes directives. Mais Jersey ou devine perdu confiance dans l'humanité et il était préféré croire dans l'intelligence artificielle yo avec nanomachine plutôt. Big Boss pour camper toute bagaille, il débranche mal Jersey et il mettait fin à Curel ça. Big Boss disait que l'intelligence artificielle yo était en injecté dans Lyon l'autre souche de virus Fox Die là qui va le remplacer première version. De ce fait, Snake pas mourir, mais Big Boss a fait zèle parce que virus l'a ciblé le tout. Big Boss recueilli pour une dernière fois devant Tom Mentor qui c'est deux boss. Eli rappelé à Solid Snake véritable intention de boss qui s'était pouté quitter l'humanité avancer tout seul. Mais ni Big Boss ni Major Zero pas arrivé respecter causer ça. Donc Big Boss réconcilié avec Petit Li, Solid Snake que c'est seul Solid Snake qui gagne pour qui jamais de pour avancer sans yo. Fin de l'histoire. Metal Gear, enfin, que dire? C'est juste un game qui est passionnant, c'est juste un jeu qui définit franchement lui seul tout domaine du jeu vidéo. Tellement que belle, tellement que tranchant, tellement que son histoire, tout ce que vous pouvez mettre des pieds sur terre, le web jeu, complètement perdu. J'avais avec belle demoiselle ça. Donc, vous souhaitez que nous sommes contents de regarder le game ça que nous avons présenté. Mais bien sûr, il y a des choses pour nous toujours. Moi t'ai pour montrer nous puis review sur Mortal Kombat et que effectivement moi connais grand plein qui t'ont review hein, j'ai beaucoup de personnes qui t'ont posé question comment que ça y est et que au niveau surtout de tournament 2 millions dans monde par rapport à Mortal Kombat comment ça fonctionne etc. Donc par la grâce de Dieu t'arrive à répondre tout ce tas de messages mais c'est mon bagage c'est que grand plein monde qui t'ont perdu parce que Mortal Kombat sur 11e épisode là moi je te dis mais c'est quoi l'histoire. Qui sac Mortal Kombat même tout jeu qui sorti qui jouait pour ta jouer en premier pour ta comprendre l'histoire et comme l'homme de combat ou pas nécessairement obligé de jouer un avant le il pas comme ça parce que chaque modèle ont des gens différents mais je dis on va expliquer nous Mortal Kombat l'univers toute l'histoire de Mortal Kombat ce qui s'agit là. Donc regardez coup de poing à coup de pied. Qu'est-ce qui pas connaît Mortal Kombat? Un combat extrêmement gore, brutal, déchaîné et qui vraiment violent. Qui en pile monde qui m'a demandé même est-ce que il pas gagne une belle histoire? Eh bien, oui. Aujourd'hui, on va parler de Mortal Kombat. M'a prendre de Mortal Kombat 1 jusqu'à Mortal Kombat 10. Mortal Kombat 11 là, m'a pas banou dans partie 2. Donc toujours branché émission pour ka connaître. L'histoire a débuté ça fait au moins plusieurs siècles côté que les dieux anciens étaient bataille contre l'être unique dans une guerre pour conquête pouvoir suprême. L'être unique perdu bataille ça et il éclaté en plusieurs morceaux qui viennent bailler naissance à un paquet de monde parallèle côté que la vie pour apparaître j'en connais. Six grands royaumes viennent paraître. Earthrim qui pour nous-mêmes est humain. Yo.
Outworld qui c'est un étendu sauvage côté que habitants lui rêvé prend tout l'autre côté yo pour ka vin faire un seul gros empire. Edenia qui est vraiment belle et très magique, ça cause des attirants pour convoitise. Nether Realms qui censé représenter l'enfer et ensuite Other Realms avec Chaos Realms. Dieu ancien a décidé de veiller sur royaume sa yo sans que yo pas entrer dans cause yo. Mais Shinnok, un dieu ancien, décidé prendre la terre à cause convoitise li et surtout à cause de énergie qui sous terre que relé le Jinsei qui renferme un pouvoir immense. Chance pour nous, Reden qui c'est le dieu du tonnerre campé en face monsieur pour barrer. Yo mari bataille et Reden calé Shinnok et puis exilé tout droit dans l'enfer. Après ça, li vin caché sous la terre amulette qui te bay Shinnok pouvoir interdimensionnel lien pour empêcher le chapé. Après quelques années, Shao Kahn qui a dirigé Outworld là, li vin mette main sur un paquet royaume li fusionné yo. Pour deux autres ça yo ta ka suspend, Dieu ancien yo réuni ensemble pour décider sur un seul règlement. Si un royaume vle assiéger un autre royaume, li doit rive affronter et battre royaume li vle prend pendant 10 fois yon de l'autre sans manquer un grain. Après ça, la va prendre. Affrontement ça fait dans un tournoi de combat qui fait une fois par génération, c'est-à-dire chaque 50 ans. Donc, mais ça qui va venir mener tournoi ça que nous connaissons qui sont nos deux Mortal Kombat. Donc, Edenia c'est premier royaume qui va passer en bas à Goloraï à Outworld là, n'a causé ça. Comme si ça pas rien, Shao Kahn, un grand vainqueur, décide de marier avec Sindel qui est reine Edenia et lui adopter Kitana en même temps que ses petites Sindel. Mais Sindel pas qu'à supporter cause ça. Il sacrifie tête pour lui qu'à placer une sorte de barrière protectrice autour de Earthrealm pour être capable de stopper Shao Kahn parce que connaît qui ça le défait. Mais Shao Kahn encore son l'autre nègre encore qui charge en pile maider tête. Il était également des chansons, un ancien terrien, magicien et sorcier, et ancien champion de Mortal Kombat, puis invoqué tout noir contre la terre pour une bataille. Et qu'on l'a sorti vainqueur pendant les bat Shang Tsung bien bat. 50 ans après, Shang Tsung retourné encore. Fois ça, il vient avec Go. Go bat Kung Lao et c'est dans moment ça à côté que Shang Tsung pral des vonnel nam Kung Lao, il pral découvrir dans souvenir Kung Lao qui côté amulette Shinnok la caché. Go même bon côté pral remporter tout Mortal Kombat pendant 400 ans à chaque fois contre terre. Ça vient mener nous dans ultime tournoi côté que si nous perdions, il y a envahi nous. Et bien c'est là nous tout entrer dans premier game Mortal Kombat qui était sorti en 1992. Nous pouvons faire connaissance avec un personnage mythique, Johnny Cage, qui est un acteur cinéma, qui peut apprendre dans Sonya Blade, qui est lui-même un agent des forces spéciales. Sub-Zero, qui peut affronter Scorpion, qui sort dans l'enfer pour lui venir venger de Sub-Zero, qui a assassiné Clan avec famille. Liu Kang qui sortit dans Top Shaolin, etc. Tournoi lancé, tout le monde bataille. Scorpion tue Sub-Zero, Liu Kang bat Goro et lui ronfle Shang Tsung bien ronfle. Ça vient mener nous donc dans Mortal Kombat 2. Shao Kahn vexé en pile pour ça qui arrive. Il tape cassé pour Shang Tsung parce que il pral obligé d'attendre 500 ans encore pour lui taper un royaume terre. C'est le ça, Shang Tsung pral dit Shao Kahn pour lui ta invoquer tournoi Mortal Kombat contre la terre. Directement et puis pour lui ta tout déroulé dans Outworld là en même temps. Les savines faites, Dieu ancien était bien vague. Shang Tsung même lui retourné, lui tuer moine dans Top Shaolin, lui kidnapper Sonya Blade et lui retourner dans Outworld là ensemble avec elle. Là même, tenir tout courir derrière monsieur Puka, tout al participer dans tournoi. Nouveau monde qui vient paraît. Baraka, Kitana, Milena, Jax, Sub-Zero, qui c'est frère Sub-Zero qui était dans Mortal Kombat 1, etc. Et bien sûr, Liu Kang, une fois de plus, pour arriver à battre Shao Kahn et retourner champion encore pour la deuxième fois. Ça qui va mener nous directement dans Mortal Kombat 3. Shao Kahn vient commencer vraiment bouquer avec cause ça. Il demande à Shang Tsung pour lui ressusciter pour lui Sindel pour le retirer barrière protectrice qui était sous terre. Shang Tsung obéit. Shang Tsung obéit et lui fait ça avec un petit coup de main de la part de Quan Chi. Qui c'est un sorcier qui n'a Outworld là. Shinnok est délit surtout à cause que Shang Tsung te dit qui côté Shinnok caché et qui côté la jeune amulette là tout. Sindel vient réveiller, yo lave cerveau bien lavé et puis Shao Kahn fait le retirer barrière protectrice cité Metea et puis tout envahir royaume Earthrealm là qui c'est la terre. C'est un massacre total, un pile dégâts. Chance pour nous encore, Liu Kang sauve nous une fois de plus.
Shao Kahn Boazi Acheng Song, la te vin sauvé, Sindel vin songe qui est lié, Edenia libéré, belle bagaille, belle fête, etc. Et puis yay. Mais ça pas fini. Nous pas l'atterri tout droit dans Mortal Kombat 4. Quan Chi décide de servir avec amulette là pour libérer Shinnok et puis continuer mener destruction avec problème. Il envahit Edenia qui fait saute dans problème yo avec Ed Tania. Noob Saibot qui suspecte premier Sub-Zero. Et comme si ça pas passé, Shinnok a cherché à envoyer à la fois Terre et puis Royaume, Heaven nan côté que Dieu yo siège. Raiden essaye de bloquer mais il pas arrivé. Donc il allait sous terre pour lui rassembler combattants humains pour lui ka river bataille à Shinnok sur deux terrains en même temps. Heureusement, Liu Kang on l'autre fois encore retiré nous dans un, li bat Shinnok bien bat. Alors, Raiden tout voyait Shinnok en fait tout droit, il prend amulette li. Pour action sa yo, grad Raiden monte. Cependant, Scorpion qui était dans même bord à Quan Chi vient découvrir que famille était assassinée par Sub-Zero vraiment, mais c'est sous l'ordre de Quan Chi. Donc, monsieur vient tellement énervé, il patrouille Sub-Zero, mais il tout prend Quan Chi et tout à la veille dans l'enfer et puis repos. Tout cause ça va mener nous dans une période qui est plus sombre dans l'histoire Mortal Kombat qui commençait avec Deadly Alliance en 2002. Quan Chi arrive échapper dans l'enfer grâce à amulette Shinnok là et lui fait alliance avec Shang Tsung. Il arrive tuer Shao Kahn et assassiner Liu Kang. Laisse ça fini, il aller chercher ressusciter un démon qui est Onaga. Les Raiden voit ça, il décide quitter garde Dieu ancien lien pour lui t'cavine pour t'y en correction. Il aller chercher Tenryu encore une fois mais tout bon arrive pour un bâton. T'appelle venir mener nous dans Mortal Kombat Deception côté que Raiden comme seul espoir on décide de gommer contre Shang Tsung avec Quan Chi. Malheureusement, Raiden perd du combat et Onaga vient parler. Face à menace, trois messieurs sont obligés de camper bataille ensemble, mais malheureusement, ils tout mourir sans que Onaga pas gagne rien. Raiden vient ressusciter tout corrompu à cause énergie rouge là. Il lève Liu Kang tout. Onaga même continue à valer terrain, il lève quelques zombies pour marcher avec lui. C'est le ça, Dieu ancien a décidé de rentrer dans la cause. Enfin, il était temps. Dieu ancien a fait Shujinko raser Onaga et puis nous pouvons tomber dans Mortal Kombat Armageddon. Tout combattant vient apprendre que gagne un temple sous Edenia qui gagne un immense pouvoir. Moun qui prend l'an a invincible et l'a réglé tout bagarre avec. Eh bien, c'est ton piège que Dieu ancien a te mette là. Parce que tu comprends que tout noir pral pratiquement former des combattants trop puissants à travers le temps et que ça a une raison pour yon katouiller l'autre. Effectivement, ça t'est fait. Sauf que c'est Shao Kahn qui vient rester seulement avec Raiden. Nous vins pral tomber exactement dans Mortal Kombat 9 côté que c'est le Rim qui pral prend la relève pour bay plaisir. Shao Kahn prend pouvoir. La branche école pour katouiller Raiden. À ce moment, Raiden concentre tout ses reste pouvoir l'éterité pour livrer vision. Lié à ma propre tête li dans le passé, dans l'espoir pour te empêcher Armageddon arriver. Et bien, ça pral vin mener nous exactement dans l'événement Mortal Kombat 1, 2 et 3 en même temps. Bagay pral déroule Jean nous te connaît avec quelques petites exceptions près, vu que Raiden a essayé de changer l'avenir. Kung la ou participé, mais Shao Kahn touyel, Sindel vivant, mais l'oublié qui est lié, Shang Tsung mouri et puis utilisé le pour fortifier Sindel, Sindel même touye Sub-Zero, li touye Smoke, li touye Jax, Kitana, Jade Striker avec Kabal. Donc c'est là, vachement mzel fait. Dieu merci, Nightwolf vient camper mamzel net heureusement, et tout sacrifie tête li ensemble avec elle. Donc vient rete seul Johnny Cage, Sonya Blade, Raiden et puis Liu Kang qui pouta Eden Defender. Les Raiden voient que pas une option qui rete encore. Ils viennent d'accord quitter Shao Kahn envahiteur. Liu Kang pas d'accord avec causer ça, mais Raiden a persisté et Raiden arrive tuer le malheureusement. Tout le monde bloqué. Raiden met à genoux devant Shao Kahn pour lui quitter Earthrim avec Outworld là fusionné. Et bien c'est là ça Dieu ancien vient réparer encore. Il vient pas d'accord que Shao Kahn fait ça sans que lui pas gommer avec un adversaire de taille. Donc Raiden bataille à monsieur Raiden tout flanqué là. Tout bagay vin rete normal. Shao Fezel, donc Armageddon, pas fait encore parce que tout combattant yon mouri. Mais Raiden connaît quand même que événement Mortal Kombat 4 yon ka fait. Et bien c'est ça qui peut mener nous dans Mortal Kombat 10. Tout bagay avance normalement, plus que Quan Chi libéré Shinnok. Combattant qui mouri yon ap marché de Shinnok, ça qui peut bay en pile problème. Malgré que Raiden avec Fujin essaye camper yon, ça pas marché.
Donc, c'est Johnny Cage, Sonya et puis Kenshi qui étaient. Ils font face à Shinnok, mais ils tout prennent bois. Pendant que Johnny Cage a protégé Sonya Blade de son attaque, ça a tout fini réveiller un pouvoir dans l'île qui était caché. Et puis, ça fait tout déplumer Shinnok dans la timeline. C'est là. Shinnok retourne bloqué dans l'amulette là et puis Raiden tout profite restaurer l'autre combattant qui était mort, à savoir Scorpion, Sub-Zero et Jax. Baraka, Sector, toujours même qui était mort. 20 ans plus tard, Vin gagne l'autre combattant qui vient protéger Terre. Cassie Cage qui c'est petit Johnny Cage avec Sonya, Jackie Bridge qui c'est petit Jax, Kung Jin qui c'est cousin Kung Lao, Takeda qui c'est petit Kenshi. Bataille pété, un peu de monde mourit et puis Kenshi arrive libérer Shinnok une fois en plus, mais c'est juste avant que Scorpion te coupe tête. Shinnok retourne, il bat tout le monde bien bat, il maîtrise Raiden et enfin il arrive à jouer Saltap Cheshire, qui se prend contrôle de Jinsea. Il prend toute énergie, net, il boit tout, il vient tourner un gros tonton démon. Voir ça, c'est Cassie Cage qui vient arriver stopper, même Jean avec Johnny Cage t'a fait 20 ans passé. En urgence, il vient mettre Raiden dans Jinsea pour nettoyer. Tout bagaille bien passé, mais Raiden, à force que le t'absorbe Jinsea trop, il vient tourner un véritable dictateur fou parce que il vient comprendre que il t'a dû empêcher des autres ça au fait à tout prix. Donc, il décapite Shinnok puis devant et puis il pote tête li bail Liu Kang avec Kitana là en fait comme avertissement. Il dit que les papes quittent personne vin bleu la terre encore. Il y a des destins pires que la mort. Et c'est ça qui parle vin mener nous dans Mortal Kombat 11. Donc moi campé là aujourd'hui hein, m'a va fin parler nous de Mortal Kombat mais en l'autre vidéo. M'a dit nous cependant que Mortal Kombat a traversé les âges. 20 ans d'histoire, 20 ans de jeu et 20 ans de succès. Pas une pièce qu'on peut attendre à ce que jeu ça vienne aussi belle et aussi prolifique que Jacques Lila. Dans une deuxième partie, on a parlé de Mortal Kombat 11. Mortal Kombat, que dire? Mortal Kombat, son gros bout de roche dans mon jeu vidéo. Donc, c'est ça que je suis content pour nous pour aujourd'hui. Moi, je souhaite que nous content. Moi, je souhaite que nous enjoy le jeu vidéo. Et je rappelle à tout le monde que les jeux vidéo, c'est un domaine qui est vraiment hors du commun. Ils regroupent tellement de choses. Ils regroupent art, ils regroupent science. Elles-mêmes, ils ont une facette de philosophie qui entre là-dedans, qui vient fortifié, qui vient rendre le domaine encore plus belle, plus solide que j'en peux dire déjà. Donc, moi je souhaite que vous êtes content tout le mouvement ça, que vous êtes content de tout le game ça au final. Donc, ça va être la fin, malheureusement. Et, m'a dit nous simplement, toujours garder l'émission, toujours garder Sky TV Channel 32 pour tous les clips, pour tous les interviews avec artistes haïtiens, spécialement dans le monde rap créole là. Toujours moi chez Sky TV pour tout bagaille. Et bien sûr, émission soit regardée sur Sky TV Channel 32, branchée le samedi et le dimanche à 5h30 PM. Mis à part de ça, toujours passer dans le cinéma pour venir prendre du popcorn et coca et pour regarder des belles tops sur YouTube, bien sûr. Et en fin de compte, like page Facebook Teaser Game, Instagram Teaser Game, Twitter Teaser Game et même sur Telegram tu vas venir comme étant Mackenzie Jean-Charles et toujours venir sur page là. Inscris sur page YouTube et cliquez sur cloche notification pour que vous soyez capable toujours au courant de toutes nouveautés. Merci donc à mon plaisir. Bye bye à la prochaine et pas oublier. Watch là. Est-ce que tout le monde est prêt?